pour la plupart. Hein. Nous sommes dans l'engouement d'un bien-être, d'être sublimé. Quelque chose qui va nous arriver, qui sera différent du quotidien dans lequel on vit. Nous sommes tous impliqués dans cette race humaine. C'est l'homme qui fait que la vie est comme ça. Nous avons un monde fabriqué par l'homme. Et l'homme n'est pas différent de ce que toi tu es, de ce que moi je suis. On est tous impliqués. Parce que il y a chez l'homme cet engouement. Il dit toujours « moi d'abord, les autres après ». Cet engouement de bien-être qu'on a besoin d'avoir pour pouvoir se sentir bien, moins nerveux dans un monde où tout bouge, où chaque instant il y a des événements qui arrivent et qui envahissent le petit confort que tu as gagné. Donc, on a pris l'habitude de se sécuriser, de sécuriser nos vies en faisant en sorte que nous avons de quoi vivre avec le plaisir, le bien-être, et on veut sécuriser tout ça. Et le fait de sécuriser tout ça, ça fait de nous des êtres qui nous bagarrons pour pouvoir avoir ce que nous voulons. C'est donc, il y a un intérêt personnel, un intérêt individuel qui habite en chacun d'entre nous, qui veut sa petite zone de confort. Et tout ça fait que nous avons un monde où tous regardent midi à sa porte. Et dans ce cas, il n'y aura pas la paix. C'est impossible, puisque on n'est pas soi-même en paix, parce qu'on est dans l'envie de trouver quelque chose. Et nos esprits sont occupés. L'esprit n'est pas en paix. Nous voulons, nous attendons, nous sommes frustrés de ne pas l'avoir. Et l'esprit concourt à faire du chaos dans le monde. Parce que il y a cette activité constante de vouloir faire des choses pour qu'on puisse être en paix. Ce qu'on appelle la paix, c'est notre bien-être, notre petit monde bien douillé. Mais est-ce que cette paix vraiment est quelque chose que tu peux garder? Est-ce que cette paix n'est pas volatile, éphémère? C'est une zone de confort, c'est ce que tu appelles le bien-être. Et c'est ce que tous veulent. Donc il y a en soi ce centre d'intérêt, où chacun concourt à son intérêt. Et dans ce cas, nous nous séparons les uns des autres. Nous sommes divisés les uns des autres. La relation existe seulement dans le conflit, dans l'apparence, dans le désir de substituer quelque chose de l'autre. Il n'y a pas une gratuité dans la vie qu'on mène. Tout est commercialisé. Nos esprits sont commercialisés. On dit qu'on aime, mais à condition que. Donc, cet amour que l'on a pour l'autre est un traquenard, une arnaque relationnelle. Parce que on veut quelque chose. Et qui veut ces choses? Qui veut
toujours cette sécurité. Qui veut cette sécurité non seulement matérielle, mais qui veut cette sécurité psychologique? Ce besoin de trouver le sublime, le nirvana. Qui est celui-là? Qui veut évoluer? Qui est dans l'attente de tout ça? Si ce n'est un moi, qui veut évoluer à un état différent duquel je suis. Parce que l'état dans lequel je suis est misérable. Donc, j'aspire à quelque chose d'autre. Donc, mon désir me fait travailler pour pouvoir atteindre quelque chose qui soit différent de ce que j'ai maintenant. Parce que, tout simplement, on fait ça parce qu'on n'accepte pas ce qui se passe. On trouve cela médiocre et on trouve cela non glorieux, non valorisant. Donc on ne l'accepte pas, on veut l'éradiquer. Et nos façons d'éradiquer ce que nous n'aimons pas créent la désharmonie en soi parce que nous combattons nous-mêmes, parce que ce que nous sommes, nous n'aimons pas et nous voulons être ce que nous ne sommes pas. Voilà le problème. C'est que on a atteint un niveau de vie où tous demandent toujours plus et jamais on en a assez. Une insatisfaction rampante où toujours plus est nécessaire. Parce que quand on va dans cette direction, à vouloir se satisfaire, à vouloir évoluer, à être ce que l'on n'est pas, il n'y aura jamais rien qui va être atteint, puisque ce qu'on atteint n'est que le désir que l'on a, le désir d'être sublimé. On a tous envie de cette paix. En fait, on aspire tous à la paix, quelque part. Mais quelque part, regarde bien, tout ce que nous faisons ne concourt pas à la paix. Tout est quotidien. Concourt-il à la paix? Il y a la bataille entre le patron, la patronne, l'enfant, la mère. Et il y a des choses qu'on veut, qu'on n'a pas pu avoir. On est de l'attente, on est frustré. Tout ça concourt pas à la paix. Je parle d'une paix où il n'y a plus rien à attendre, où l'entité qui voulait n'est plus. Et là, on pose le doigt sur la grande question. Parce que qui suis-je? Est-ce celui qui veut? Est-ce celui qui veut remplir son centre d'intérêt de la demande égocentrique? Si je suis ça, si je m'identifie à ça, alors tu peux regarder le monde et voir que tu es ça. Effectivement, tu es le monde d'aujourd'hui et le résultat de toute l'action égocentrique que nous avons tous participé. Et tant qu'il y aura cette action égocentrique, cette action de moi d'abord, les autres après, cette action de vouloir du bien-être, cette action de ne pas aimer l'état dans lequel on est et de concourir pour être ce que l'on aimerait être. Tout ça fait partie de l'entité qui cherche dans la vie à être sublimée. Mais ce qu'il trouvera, ce ne sera que le désir qu'il a eu. Parce qu'il n'y a rien à trouver, il n'y a rien à être sublimé.
surtout quand on le désire, surtout quand on a un concept de ce que l'on veut. On veut la paix, mais ce n'est qu'un concept qu'on poursuit. Mais la paix elle-même, elle n'est pas là. Comment laisser cette paix être sans en faire un idéal? Toute la dualité que nous avons en nous ne permet pas à cette paix de s'établir. Toute la demande que l'esprit poursuit, tout ce que nous voulons atteindre, ne permet pas à cette paix d'être là. Parce que l'esprit est occupé. Il est occupé avec l'intérêt de soi qui veut être sublimé. Et cet intérêt, cette constante occupation, nous isole les uns des autres. Et quand on s'isole les uns des autres, il se crée de la méfiance, de la division. Et quand il y a division, automatiquement il y a de la rivalité. Parce que on n'est plus pareil. On n'est pas considéré les uns les autres comme étant à rien de tout ce qu'on peut devenir. Effectivement, on n'est rien. Si on devient quelqu'un, alors on est quelque chose, on est quelqu'un. Et ce quelqu'un veut exister. Et qui est ce quelqu'un? N'est-ce pas celui qui veut être sublimé, celui qui désire, celui qui attend, celui qui est dans la frustration? Alors tant qu'il y aura cette activité de soi qui veut, ben il y aura des guerres, il y aura des problèmes dans nos vies. En soi, il y aura la dualité entre ce que je suis et ce que j'aimerais. Et un esprit confus ne peut pas créer autour de lui quelque chose de beau. Quand nous voyons le monde et nous voyons la laideur de ce qui se passe, les guerres, les gens qui meurent de faim. Penses-tu que cela est arrivé par hasard? Ou bien que l'homme, ce que tu es, a fait en sorte que ça existe? Bien que nous aspirons pour la paix, mais on a fait exister ça. On a fait exister ce genre de vie qui se joue dans le monde. Les peurs, les angoisses que l'on a dans nos relations. Et l'envie de s'accaparer l'autre pour pouvoir être joyeux soi-même. Tout ça crée de la rivalité dans ce monde. Et quand tu regardes le monde, ben tu peux voir qui tu es. Tu peux observer. Tu peux comprendre que ce que tu es, est le résultat de toute la demande égocentrique. Donc, est-ce qu'on peut éradiquer cette demande, ce centre névralgique qui n'est jamais satisfait? Est-ce qu'on peut l'éradiquer? Ou est-ce que, en le voyant, en acceptant de le voir, parce que pour la plupart, on n'accepte pas de se regarder comme ça en face, de se voir tel que l'on est, la laideur que l'on a. On veut tout de suite l'éradiquer parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur d'être jugé. Donc on veut éradiquer cette stature que l'on a. Et pour éradiquer ça, ben, on se crée une image, bien sûr. On se dit être autre chose que ce qui se passe. Mais au fond, ça se passe.
La paix n'y est pas. Et la guerre sévit. Et on le renie. On renie que soi-même, nous sommes les exalteurs de ça. Sortir de ça, c'est quelque chose de la plus belle chose que tu puisses faire. Sortir de cet engouement, de réaliser que ce que tu es est un programme, est un conditionnement qui a fait de toi que tu ne peux pas être ce que tu es vraiment, mais que tu veux être celui qu'on demande, celui que le regard conformiste attend de toi. Or, si tu laisses être ce que tu es, et que tu l'exposes, tu le manifestes sans peur, alors, il y aura une autre attitude. Et l'état dans lequel que tu seras, sera transcendé. Tu n'as pas besoin de devenir. Cet état, cette réalité dans laquelle tu es, qui est complètement confuse, qui est dans la demande, tout cet état est transcendé. Quand tu vois que tout ça, c'est une illusion, que tout ce que tu concours pour arriver, pour être évolué, pour le sublime que tu cherches, quand tu comprends que tout ça, c'est une illusion, ben la réalité s'installe. Et tu es juste ce que tu es. Tu n'attends rien d'autre, tu ne demandes rien d'autre, tu n'as pas de but, tu n'as rien à accomplir. Parce que tout est accompli. Ce que tu es, c'est ça. Et quand tu as accepté ça, alors toute la réalité qui a été créée, les frustrations, les peurs, les angoisses, tout ça cesse. Parce que tu as accepté de cesser de chercher ce que tu n'as pas, d'être ce que tu n'es pas. Pourquoi tu fais ça? Pour te faire plaisir? Pour faire plaisir aux autres? Parce que tu as peur d'être découvert? Oui, on joue des rôles. Par peur d'être jugé. Donc on montre ce que le monde veut voir. Et nous vivons dans un monde d'apparence où personne n'est vrai. Alors, chacun de choisir. Est-ce que je veux être vrai? Ou est-ce que je veux jouer encore un peu le rôle parce que j'ai peur? Et cette peur te demande du temps pour pouvoir exécuter ce que tu es vraiment. Mais ce temps, c'est une excuse. Parce que tu auras toujours besoin plus de temps pour te défaire, pour évoluer, pour devenir ce que tu aimerais. Et là, tu es encore dans l'illusion. Le temps, c'est ton ennemi. Mais si tu vois l'illusion, le temps s'arrête, il n'y a plus de temps. Tu es ce que tu es. Et tu n'as plus besoin de créer une évolution de ce que tu aimerais être, qui est le temps, qui est l'envie, qui est le désir. Et tout ça, ça encombre l'esprit, et l'esprit n'est pas libre d'être en paix. Parce que la paix, ce n'est pas quelque chose que tu cherches. La paix, c'est quelque chose qui existe quand tu ne fais plus rien, quand l'esprit ne fait plus rien pour devenir ce qu'il n'est pas. Donc, un esprit qui existe, qui est là, qui est dans l'instant, présent, vivant, qui n'essaye pas d'arriver quelque part, eh bien celui-là, il est en paix. C'est ça la paix.
la paix de ne plus avoir rien à faire pour devenir ce que tu aimerais être.